La Paoli avec Serge Vincent, lui-même lycée porte-parole, parti politique INIFOS. Avec lui, nous allons essayer de garder qui sa bilan conseil présidentiel là y puisque nous connaissons, il était prêté serment, officiellement, il était installé le 25 avril 2024 dernier. Le 25 mai, 1 mois, 25 juin, 2 mois, 25 juillet, 3 mois, et 25 août, ça va faire 4 mois, guerrier du seul. Donc, qui côté yote yé, qui côté yoyé, c'est vrai, yo bay tête yo on chef gouvernement, qui pratiquement lui-même, il y a environ 2 mois là, donc qui ça qui fait, pour qui ça, c'est comme ça, et ça fait, etc. Donc, nous pourrons regarder, lecture, parti politique, INIFOS, et c'est Serge Vincent. Parole structure politique ça qui pourra le parler avec nous de connecter guerrier Serge Vincent que nous habitués fait parler avec là que nous pas attendu longtemps donc cap suivre d'après Saldino à travers structure politique li qui c'est INIFOS et bien pour le partager avec nous ensemble éléments yo identifié dans le cadre bilan CPTA avec chef gouvernement, si bilan il y en a. Bonjour Monsieur Vincent, son plaisir pour nous recevoir matin. Oh, et bonjour Guerrier Dussel, et bonjour aussi avec les membres INIFOS, aussi la coordination nationale, aussi toutes auditeurs auditrices de la radio Caraïbe FM, au niveau national, au niveau international. C'est un plaisir pour moi, ensemble avec nous matin, pour nous faire un débat sur la question de la conjoncture et aussi sur le bilan du gouvernement. Merci en pile parce qu'on est disponible pour Radio-Télévision Caraïbes. Monsieur Vincent, tu as expliqué ça là, dans environ 5 jours. Eh bien, pour voir transition, ça a bien exactement 4 mois depuis les. Prend place, li, en d'un pays. Vous autres, au niveau de INIFOS, qui sa lecture là est 4 mois plus tard? 4 mois plus tard, nous que toutes notes notre sortie, les grands axes, nous ne pouvons jamais délibérer, nous ne pouvons jamais débloquer, et la police, nous voyons que arrêté Kony, hein, le monsieur Kony. Donc, qui, le 29 mai, mais qui a été sorti. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas oué Kony, M. Kony, depuis rien. Mais nous n'avons pas de problème avec jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas dit que nous n'avons pas réglé. Mais maintenant, nous n'avons pas fait un bilan positif, ni les 2 ou 3, 4. Et plus, il n'est pas zéro. Ça veut dire, les plus bas que zéro, bien entendu. L'opéra des gangs qui ont fait des vidéos. Aussi, ou a regardé, y a installé, y a metté tout battant clan que y a gagné comme moun qui a fait des théories sur la population. Et aussi, le chef CSPN, et qui gagne ministère intérieur dans même, et qui gagne le poste de premier ministre dans même, et jusqu'à maintenant, il paraît que rien. La deuxième chose, là où l'État nous dit que l'État d'urgence qu'en sécurité, l'État, c'est un gros bagaille. La dimension de l'État, homme d'État, l'autre, c'est un homme d'État, c'est moi qui respecte la parole. C'est lorsque on dit un bagaille, on doit respecter la population, faire confiance. Les messieurs qu'on dit fait paraître, en plus, on fait confiance. Mais qu'on y a, il y a un cadre qui diminue sous confiance. Pas dit pas régler, pas dit qu'il ne faut pas le régler, puis devant. Parce que nous-mêmes, INIFOS, nous avons encore 21 décembre, non? Mais juste l'étude que nous faisons là, pas qu'on gagne sérieux, population, dans le même pépin plan. Et puis dépasser, parce que Grandi, il faut comprendre Grandi. Et il prend Grandi. Et les terroristes qui prennent Grandi, ils mettent chapeau à la police, ils défient la police. Ça veut dire, nous avons une dimension de l'État en faiblesse toujours. Et M. Konité fait qu'on est que, eh bien, l'État, il doit monter l'autorité de l'État. Côté l'autorité de l'État, M. Kony, non, pas Kowel. Donc, moi, je pense que le bilan, M. Kony, il est plus bas que zéro.
Moi, je souhaitais que les montées après un mois, déjà ce que le gouvernement dit là, moi, je souhaitais qu'il y avance. Le ministre de la Justice, bah, on a gagné sérieux. La justice pas renforcée. Et parce que l'État ou son ministre de la Justice, eh bien, on doit renforcer justice là, ou de continuer à rencontrer avec tout appareil qui est dans la justice là. Ou est comment pour la majorité tribunale va fonctionner. Donc, je dis là, est-ce que la population toujours vérité dans le même bagage là? Moi, je souhaitais que le CP, c'est-à-dire, et tous les membres du CPO, 7 membres ou 9 membres, yo, donc, il y a deux fois analyse tout. Je dis, si nous avons une tête, nous mission pour dire qu'il faut qu'il y ait sécurité, il faut qu'on organise l'élection. Mais qui boit l'élection pour l'organiser dans le pays là? Qui boit pour dire que l'État renforcé? Donc, maintenant, comme CARICOM fait l'étude, ça, hein, et l'IGADE loin par rapport à gens qui souhaitait, hein, Monsieur Vincent, continue de rencontrer des Monsieur Vincent, CARICOM, Monsieur Vincent, féliciter tout le monde CARICOM, Serge Vincent, ensemble des mondes qui n'ont pas de accord. Yo. Mais, Serge Vincent, CARICOM, au courant de rien, Serge Vincent, là, il y a beaucoup de gens où la population a l'on souffre. Monsieur Vincent, Monsieur Vincent, il fait ça, vous faites. Il y a pas de cafou, il fait ça, vous faites. Nous prenons Marianne, ils ont fait ça, on fait. Je dis à Axe et qui Grand Sud là, ou pas qu'à traverser, même, ou te qu'on traverser longtemps, ou pas Monsieur Vincent. Moi aussi, même Jean. Serge Vincent. Donc, oui. Merci, Monsieur Vincent. Bon, me dire, essayez de faire cet exercice ça et tendez-nous pour capable, au moins, et au diapason avec nous, les poser aux questions, parce que nous avons pris là longtemps, ou semblez pas prêter attention à ça. Ou sont évoquées les questions, CARICOM, nous avons bien pour nous retourner sous lit. Nous connaissons Unifos comme signataire accord 21 décembre, accord 21 décembre, qui est un représentant en dans CPTA. Mais avant nous arriver sous, visite CARICOM dans le pays, bon, m'en dis ça. Il y a un ensemble de structures, un ensemble d'organes, si nous avons le conseil de transition qui te prévoit dans un document qui est pour avec pouvoir ça, notamment à cause du 3 avril, décret, etc. 4 mois plus tard, organe ça yo toujours dans l'impasse. Par exemple, l'OCAG, qui c'est l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, jusqu'à présent, pas aucune disposition qui prend pour mettre structure sa campée. Il a annoncé CNS, qui c'est Conseil national de sécurité. Il a parlé de lui plusieurs fois. Baron Gote avec lui. Il y a un conseil électoral provisoire là. Il a dit qu'il a mis depuis 60 jours. Donc, il y a pratiquement 3 semaines et presque un mois depuis le processus là initié jusqu'à présent pour boucler. Donc, vous autres, au niveau de Unifos, est-ce que nous pas pensé au retard qui gagne dans mettre en place organe de transition sérieux capable hypothéquer réussite? Transition 1, nous connaissons qu'après fin le 7 février 2026. Bon, bien sûr, parce que l'on prévoit, non, il y en a encore toutes sortes que vous dites, vous devez mettre en application. Mais l'on garde que tout ça qui te dit, pas qu'il y en a qui vous mettez en application. Et ça, vous invoquez là, ils ne pas mettre dans l'application bleue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un intérêt. Moi, je souhaitais que les hommes d'État, c'est ça nous manquer en Haïti. Les nous disent et les nous écrit, nous ne pas respecter. Donc, la population n'a pas chance de faire nos confiances. C'est parce que nous te prévoit que mes nous prenons mettre en application pour que nous réussissions la transition. Mais jusqu'à maintenant, ça pourquoi j'en fais. Et pas qu'elle a fait tout. Pourquoi? Parce que avant que nous te mettions le gouvernement, pendant que nous avons construit le gouvernement, eh bien, nous te devons mettre en application. Bon, je vous dis, tout le monde va attendre qu'il faut qu'il y ait sécurité, mais il faut que j'aimerais limiter la sécurité. Et tout appareil de l'État, ça nous te prévoit un accord. Pour avril, là, je ne pas respecter. Je dis à mes amis à parler de la corruption. La corruption, c'est un virus, c'est un cancer qui a gangréné l'État. Mais qui en soupçon.
je veux dire, nous n'avons pas dit qui est-ce qui est impliqué, qui est-ce qui n'est pas impliqué. Il faut qu'une institution lui dit qui est-ce et qui est-ce qui est coupable. Est-ce qu'il y a besoin des indices? Donc, moi, je souhaitais que CARICOM corrige en pile bagaille la transition, ça là. Parce que c'est lui-même qui est un média qui va discuter. La deuxième chose, nous-mêmes, nous avons fait des exemples. Monsieur Vincent, ça a foré lors oui. de souhaiter que c'est CARICOM qui corrige ça qui a passé là. Donc, je pense que appel la table Alpito et à acteur, que ce soit au niveau du conseil présidentiel de transition, que ce soit au niveau du gouvernement. C'est vrai CARICOM peut jouer un rôle intermédiaire là, mais véritable acteur on y a c'est monde qui n'a pouvoir pour ça c'est à CARICOM ou nous adresser nous c'est pas à monsieur dame pouvoir. OK, très bien. Le pourquoi? Parce que monde qui voit monsieur qui n'a en transition là, par exemple dans cette là. C'est nous-mêmes qui pouvons faire recommandation. On dit mais ça nous mandé, mais ça nous ouais, mais ça nous pas d'accord. Nous avons convaincu de ne pas être d'accord avec le président. Donc, nous disons ça, il faut que nous allions côté pour nous dire. Et là, pour nous dire, il faut qu'action faite. Tout le monde n'est pas étrange de ça. Parce que je dis, il y a le gouvernement qui l'a, ce n'est pas notre métier. C'est un consensus qui dit, mais comment le métier? Mais c'est l'idée comme son côté. Donc, moi, je souhaitais que tout le monde qui fait partie de l'accord du 21 décembre, non? Et qui a l'autre monde qui est impliqué dans la corruption, doit juger qui ça doit faire. Donc, moi, je pense que c'est nous-mêmes, en tant que leader, qui est responsable et qui a visé, qui pas dans tomber dans la corruption, et bien qui voulait faire un bagage sérieux pour le pays, là, et qui pour dire, mais ça a ouvert. Même si nous avons commencé déjà, même si nous avons décidé pour nous changer, pays. Donc c'est là que nous voulons. Mais parce que quand c'est ça, c'est nous qui sommes allés. Là, quand nous gagnons, nous, parce que c'est tout le qui mène les marins, qui mène les Java. Donc moi, je souhaite que le gouvernement haïtien et le CARICOM pourraient joindre nos attentes. On façon pour que le pays avance. Mais comment voulez-vous? Moi, je veux préciser pour que l'auditeur ou l'auditrice soit bien compris. Le gouvernement et le CPT, l'idéchit très rapide pour rejoindre nos façons pour sortir. Un, il faut que sortir dans la corruption. Puis est-ce que vous jouez à corruption qui était dit? Deux, sécurité, hein. Ce n'est pas blague, ce n'est pas langage profane de là et là. Donc, je souhaitais que vous jouiez une réponse très rapide pour débloquer toute grande action. Axe Grand Sud, là, Grand Noir. Et laisser la population, on n'a pas besoin de faire publicité. C'est nous qui avons le travail ou fait. Nous, on n'a pas besoin de dire rien. On n'a pas besoin de parler plus français. Mais nous voulons voir qui travaille, qu'on fait. Parce que la population est bouquée. Monsieur Serge Vincent, n'a pas fini, mais quittez-nous poser aux dernières questions. Nous notons que vous dites, vous autres au niveau UNIFOR, c'est accord 21 décembre, nous pas forcément toujours d'accord avec CPTA, nous pas forcément toujours d'accord avec représentant nous en de CPTA, qui c'est ancien sénateur Louis Gérald Gilles. Et moi, vous évoquez question corruption à plusieurs reprises là. Est-ce que scandale, corruption, 100 millions de gourdes avec l'autre causé encore parlé, et au niveau du conseil présidentiel là, li pa mette conseiller président yo dans situation difficile et même menacer bon fonctionnement CPTA, ça qui pas sans conséquence sous agenda transition ou bien sous un ensemble de prévisions qui gagnent en d'accord 3 avril là. Si oui, qui ça nous-mêmes au niveau de UNIFOR, au niveau de l'accord du 21 décembre, nous proposer? Ah, moi-même, moi, toujours ouais, dans l'institution. L'institution, hein, il faut que j'en dise. Hein, c'est YLCC. Donc, partant YLCC,
qui dit que le sénateur Gérald Gilles était impliqué. Jusqu'à maintenant, son soupçon. Donc, vous souhaitez que l'institution baille une réponse rapide et laisse ça, vous-même, n'a pas décidé. Mais jusqu'à maintenant, que le sénateur Gérald Gilles, il ne peut pas mettre tête. Il ne peut pas doit comporter comme maître tête. Parce que c'est des groupes et des partis politiques qui voyaient et qui s'est accord à qui permettent que là, vous rappelez ça, à quoi qu'agiter le tout en même temps. OK? Donc, nous souhaitons que l'on représente nous, ou que représente nous, pas vous-même seulement, à penser que c'est vous chef. Et la deuxième chose, tout son fait, c'est nous, pas vous. Pour un acte de corruption, c'est nous, corrupteurs. Et nous souhaitons qu'il comprenne ça nous samedi. Parce que je dis à l'État lui-même, c'est des partis politiques et des organisations politiques. Donc, je souhaitais que chaque fois que le sénateur Gérald Gilles t'a posé un acte, il faut le garder ensemble des partis politiques qui derrière le dos et des organisations politiques. Parce qu'il n'est pas seul lui-même. Il n'est pas qu'à décider seul lui-même. Je souhaitais le rappeler ça. La deuxième chose, moi, je crois que le pays a qu'à changer, mais manquer volonté politique. Je dis à le gouvernement, est-ce que nous voulons changer le pays? Est-ce que nous voulons le pays à sécurité? Il faut nous suspendre avec parole en pile, en aller en action. Le premier ministre, Gary Conley, ne voulez pas l'avoir. Est-ce qu'on décide de diriger le gouvernement ça a bien en faveur de la population ou pour détruire la population? Je souhaite que vous parlez en faveur de la population. Mais si vous voulez en faveur de la population, vous avez un signal que le gouvernement ça a commencé à personne et à stabiliser. Et à permettre que pour pays a un signal de sécurité. Et si vous n'avez pas fait ça, vous êtes obligé de faire l'autre. Sans plaisir, Kébela, monsieur le Dieu. Vincent, n'a pas rappelé où c'est porte-parole parti politique Unifos. Unifos qui est lui-même en dans encore 21 décembre. Là, et n'a pas rappelé. Madame, Monsieur, accord 21 décembre, gagné un représentant en dans Conseil présidentiel transition, qui c'est ancien sénateur Louis Gérald Gilles, qui fait partie de trois conseillers qui indexé non question corruption en dans Conseil présidentiel là, et jusqu'à présent, en pile monde attend pour lumière faite autour de question ça pour qu'on ait. Est-ce que oui ou non gagné non monsieur Sayo qui impliqué jouk nanzo la corruption en dans CPTA et qui ça capable gagner comme conséquence bien sûr sous fonctionnement CPTA parce que yo dit non et gagné méfiance n'a pas retourner sur ça hein tout conseiller l'a veiller l'autre qu'on y a baba on va y demander est-ce que vous solidaire est-ce que vous veiller même ça a dit n'a veiller qu'on y a baba et on va parler n'importe cause encore avant n'a pas retourner sur ça dans semaine.